Hi, everybody. Do you hear me? Yes. I have just one question in English, and after that, I switch to French because my English is not too bad. So, have you ever heard about argan oil? Yes. So, I am very happy because before, even in Rabat, when I asked this question 20 years before, only 20% even in Rabat in Morocco heard about argan oil. So I want to tell you this story. It takes me 25 years to build all this work, but I want to summarize it in French because I have only 10 minutes to do it. Sorry for my language. Alors, ce boom d'huile d'argan, en fait, il est né d'une volonté pour l'autonomisation de la femme rurale que j'avais depuis le jeune âge, mon jeune âge. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'étais frustrée de voir la femme rurale faire énormément de choses, que ce soit pour, sa famille, l'agriculture, l'élevage des animaux, etc., sans aucune reconnaissance de son rôle. Et ça, ça me frustrait depuis mon jeune âge. Alors, donc, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour ces femmes concitoyennes. Donc, j'ai commencé au début, j'étais très jeune, et je suis d'une famille très conservatrice où la fille n'a pas droit d'aller à l'école. Donc, je me suis battue parce que mon père, il ne voulait vraiment pas que j'aille à l'école. Alors que je voyais mes frères aller à l'école, ça me frustrait. Et donc, je disais un jour à mon père, écoute, quand vraiment c'était impossible d'aller à l'école, je lui ai dit, écoute, je me suis mise devant sa voiture et j'ai dit, écoute, mon père, soit tu m'amènes à l'école, soit tu m'écrases. Et là, il est sorti. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, je t'amène à l'école. Et tant pis pour ce qu'ils vont dire les autres. C'est comme ça que j'ai intégré les rangs de l'école en même temps que mes frères. Et j'étais très contente. Ça a très bien marché. Pourquoi? Parce que ça a très bien marché. Et j'ai pu faire mes études même en France. Donc, je suis ingénieure chimiste. Et dès que je suis rentrée au Maroc, j'ai commencé un travail. Mais un travail qui ne me plaisait pas beaucoup. Parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Et un jour, il y a eu un appel à travail à l'université. J'ai donc postulé pour ce poste. Et là, je voyais que je pouvais réaliser vraiment mon rêve. Mon rêve de faire aussi bien la recherche que l'autonomisation des femmes. J'ai donc choisi de travailler sur un arbre qui est endémique au Maroc. Et d'où on extrait une huile qui n'était pas très connue à l'époque et qui faisait travailler énormément de femmes. Pourquoi? Parce que l'huile était extraite d'une façon artisanale. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était un travail pénible, très dur, 20 heures pour extraire un seul litre d'huile d'argan. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi bien pour valoriser le travail de ces femmes? Elles ont un savoir-faire en matière de médecine traditionnelle, un savoir-faire pour l'extraction de l'huile d'argan, mais malheureusement, cette huile n'obéit pas aux normes internationales en vigueur, parce que malgré qu'elle produise cette huile, ils la vendaient souvent dans des bouteilles recyclées. Et même quand elle produisait après 20 heures de travail, elle ne voyait jamais la couleur de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est le mari et c'est les fils qui vendaient l'huile. Elle n'avait pas droit à aller pour la vendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs choses. Donc, vous voyez, l'extraction artisanale, ça vous voyez pas en normes internationales, la vente au bord des routes dans des bouteilles recyclées. Donc, tout ça, il fallait faire d'abord la recherche appliquée pour valoriser l'huile d'argan, mais également de la recherche action pour que ces femmes et familles profitent un peu de notre recherche. Donc c'est comme ça qu'on a démarré au niveau de la faculté des sciences de Rabat. D'abord, valoriser l'huile d'argan par sa technologie d'extraction, et ensuite, valoriser sur le plan chimique
pour confirmer par les sciences exactes tout ce travail en médecine traditionnelle. Et enfin, revenir sur le terrain pour organiser les productrices en coopérative pour les faire profiter de cette valorisation. Donc, les premières coopératives, donc, alors, nous sommes en milieu rural et la majorité des femmes sont à 95% analphabètes. Donc, vous voyez, vraiment, c'était vraiment mon rêve parce que je voulais en même temps donner du travail, mais également leur donner des cours d'alphabétisation. Alors, des cours d'alphabétisation pour savoir lire et écrire, mais également des cours ce qu'on appelle de la formation professionnalisante pour qu'elles puissent gérer correctement leur travail et également commercialiser l'huile, etc. Donc, on a tout mis en place, hein, des livres spécifiques pour ces coopératives, des DVD en langue amazigh, parce que la plupart, elles parlent berbère, donc amazigh, et donc il fallait absolument que ce soit dans leur langue pour savoir comment gérer la coopérative, comment produire une huile de qualité avec la nouvelle technologie qu'on a mise en place et comment faire tout ce travail-là. Donc ce projet a eu de nombreuses retombées, d'abord scientifiques, ensuite économiques, environnementales et développement de la région, en plus de l'impact bien sûr social qui nous intéressait le plus. Donc, sur le plan économique, en l'espace de 10 ans, l'huile d'ergaine qui se vendait à peu près à 3 euros, elle est vendue actuellement à plus que 25 euros. En plus, elle est connue maintenant à l'échelle internationale grâce à toutes les conférences et grâce à toutes les publications qu'on a publiées. Sur le plan environnemental, alors que les gens, au début, défrichaient l'arganier, maintenant, on le plante plus. En 10 ans, les surfaces reboisées ont été multipliées par 100. Et ça, c'est vraiment un espoir pour nous parce que l'arganerie constitue vraiment le dernier rideau vert au niveau des déserts. Sur le plan social, là, on était vraiment... on était vraiment très, très, très contents de l'impact social des femmes. Parce qu'à partir de femmes qui étaient marginalisées, qui étaient vraiment sans travail, ils ont eu une dignité, ils sont devenues crédibles, elles peuvent demander leurs droits, elles peuvent écrire des projets, soumettre des projets, obtenir des financements, gérer leur coopérative, mieux encore, investir dans le futur en envoyant leurs enfants à l'école. Et ça, c'était formidable, parce que c'est exactement le but que nous avons recherché. Alors, ce projet, qui est innovateur au Maroc, et qui est récipiendaire de plusieurs prix, au niveau national qu'international, est actuellement, c'est comme une école, si vous voulez, parce que... On est en ce moment au Maroc de faire à peu près la même chose, à partir d'une ressource locale, organiser les producteurs en coopérative, qu'elles soient d'hommes ou de femmes, valoriser les produits et les faire profiter un peu de cette valorisation. Actuellement, alors qu'au début, la première coopérative que nous avons mise en place et qui s'appelle ML, parce que les seules femmes qui ont cru à notre projet étaient des femmes veuves ou divorcées, actuellement, il y en a 170 coopératives qui font travailler 4500 femmes. Donc pour nous, c'est vraiment une petite révolution parce que surtout en milieu berbère, où les femmes ne sortent pas du tout de chez elles, où elles sont soumises, si l'on peut dire, là maintenant, elles s'expriment, elles disent leur point de vue. Et il y en a même une qui a été élue dans sa commune et également... maintenant, elle est en train de défendre sa communauté et faire même des projets pour sa communauté. Voilà un petit peu mon histoire d'huile d'argan.